Cette session servira encore d'examen de l'ensemble de la structure du Codex. Nous avons discuté du fait que le Codex élabore ses normes, ses lignes directrices et ses recommandations en faisant appel à des organes subsidiaires et que le Codex a mis en place quatre types d'organes subsidiaires, chacun hébergé par un pays membre que l'on appelle le pays hôte et qui sont établis pour mener à bien les travaux du Codex. Alors examinons ces quatre types de comités. Le premier type, ce sont les comités sur les sujets généraux ou les questions générales, également appelés les comités horizontaux. Ce sont les comités qui établissent des normes et des lignes directrices applicables à tous les aliments sans distinction. Le deuxième type, ce sont les comités de produits, aussi appelés les comités verticaux, qui préparent des normes pour les produits alimentaires particuliers. Le troisième type, ce sont les comités de coordination FAO-OMS par l'intermédiaire desquels les régions ou les groupes de pays coordonnent les activités de normalisation alimentaire dans la région, y compris l'élaboration des normes régionales. Et le quatrième et dernier type, ce sont les groupes de travail intergouvernementaux spéciaux qui sont limités dans le temps et qui préparent des normes et des lignes directrices sur des questions spécifiques. Alors cette figure résume la structure des comités Codex. Nous savons que la commission, donc la CAC, est l'organe décisionnel du programme conjoint FAO-OMS sur les normes alimentaires. Le comité exécutif de la commission, ou le CCEXEC, agit en tant qu'organe exécutif de la commission. Il est en fait chargé de gérer le processus d'élaboration des normes, d'élaborer le projet de plan stratégique, d'examiner les demandes de statut d'observateur et de formuler d'autres recommandations sur l'orientation générale des travaux de la Commission. Alors nous avons des dirigeants qui dirigent aussi bien la Commission que le comité exécutif et les dirigeants comprennent un président et trois vice-présidents qui sont élus parmi les délégués des membres de la Commission. La Commission élit ses dirigeants pour une période commençant à la fin de la session au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante. Le secrétariat du Codex assiste la Commission du Codex Alimentarius dans la mise en œuvre du programme conjoint FAO-OMS sur les normes alimentaires et relève des directeurs généraux de la FAO et de l'OMS. Alors nous avons, comme nous l'avons examiné plus tôt, 10 comités sur les questions générales, plusieurs comités de produits, certains sont actifs et plusieurs ne le sont pas, donc ils sont ajournés sine die. Le cas échéant, nous pouvons avoir des groupes de travail intergouvernementaux ad hoc, et bien sûr, nous avons les 6 comités régionaux FAO-OMS. Alors voici la structure générale qui résume la structure des comités suite à la 46e session de la commission du Codex Alimentarius qui a été tenue en novembre 2023 et qui a vu d'ailleurs la commémoration du 60e anniversaire du Codex. Et au moment de la production de ce programme, nous avons la structure qui est représentée devant vous. Cette structure comprend des comités de coordination où nous avons l'Ouganda qui a été réélu comme coordinateur pour l'Afrique, la Chine qui a été réélue comme coordonnatrice pour l'Asie, l'Allemagne a été élue comme donc pays coordonnateur pour l'Europe, Fidji a été réélu comme le pays coordonnateur pour l'Amérique du Nord et le Pacifique du Sud-Ouest, et enfin l'Arabie Saoudite a été réélue comme le pays coordonnateur de la région du Proche-Orient.